Salut la machine, t'es toujours au top? Deuxième vidéo de seconde sur l'organisation fonctionnelle du vivant. Cette fois, nous allons voir le métabolisme des cellules. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! On a dit qu'une cellule, c'est l'unité de base du vivant. Plus précisément, c'est la plus petite unité constitutive et fonctionnelle d'un être vivant, c'est-à-dire un système moléculaire doué de métabolisme, de croissance et de reproduction. Et donc le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui se déroulent dans le milieu intérieur des cellules. Nous avons vu qu'il existait deux grands métabolismes liés à la production de matière. Le métabolisme autotrophe des cellules végétales chlorophylliennes, c'est-à-dire qui contiennent de la chlorophylle dans des organites appelés les chloroplastes, et qui leur permettent de produire leur propre matière organique à partir de matières minérales et d'énergie lumineuse. Il y a également le métabolisme hétérotrophe des cellules végétales non chlorophylliennes, des cellules animales, des cellules de champignons, qui leur permet de produire leur propre matière organique à partir de matière organique déjà fabriquée par un autre être vivant. Ces deux métabolismes liés à la production de matière sont dépendants de deux métabolismes énergétiques différents, la photosynthèse et la respiration. Ainsi, vous l'aurez compris, dans une cellule se déroulent de nombreuses transformations qui permettent à celle-ci d'assurer sa fonction. Travaillons tout d'abord sur la photosynthèse. L'enregistrement de celle-ci peut s'effectuer en laboratoire grâce à des sondes capables de mesurer la concentration en dioxygène en micromol par litre et la concentration en dioxyde de carbone en micromol par litre dans une solution d'algues unicellulaires, les chlorelles, disposées dans une cuve située à l'intérieur d'un bioréacteur opaque. Afin de pouvoir tester l'influence de la lumière sur le métabolisme des chlorelles, le réacteur étant opaque, il est nécessaire de laisser une fenêtre par laquelle nous pouvons décider de laisser pénétrer de la lumière ou pas grâce à la présence de deux volets amovibles. Nous allons enregistrer l'évolution de la concentration en ces deux gaz sur trois périodes. Première période de 0 à 3 minutes obscurité, donc les volets seront fermés. Deuxième période, on va ouvrir les volets pour que la lumière puisse rentrer jusqu'à 7 minutes. Dernière période de 7 à 10 minutes, on va refermer les volets pour que les chlorelles soient de nouveau à l'obscurité. L'enregistrement de l'évolution de la concentration en dioxygène dessine une courbe ayant à peu près cette allure. Alors que l'enregistrement de l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone au cours du temps montre un tracé de courbe symétrique à la première. Comment interpréter ces courbes? Ici, nous avons une diminution de la concentration en dioxygène au cours du temps, ce qui signifie que le dioxygène est consommé, alors qu'ici, nous avons une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone, ce qui signifie que les chlorelles vont produire du dioxyde de carbone. Le couplage consommation O2, production de CO2 signifie que les chlorelles ont pratiqué la respiration entre 0 et 3 minutes. Entre 3 et 7 minutes, il y a production de O2, consommation de CO2. Cela signifie que les chlorelles ont pratiqué la photosynthèse, je vous le rappelle, pendant la présence de lumière. Quand nous remettons les chlorelles à l'obscurité, nous observons de nouveau une consommation en O2, une production de CO2, ce qui signifie qu'elles pratiquent la respiration. Nous constatons donc que les chlorelles produisent du O2 et consomment du CO2 uniquement en présence de lumière. Nous avons donc ici une trace du fonctionnement de la photosynthèse. Quand l'obscurité apparaît, les proportions de gaz s'inversent et c'est la respiration qui est mesurée. Ainsi, nous pouvons dire que le métabolisme des cellules autotrophes va dépendre des conditions environnementales. En présence d'énergie lumineuse, le chloroplaste va pratiquer la photosynthèse et va synthétiser des molécules organiques, en l'occurrence du glucose. La cellule possède également des mitochondries dont l'activité de respiration va produire l'énergie nécessaire à la vie de la cellule. Ainsi, en journée, le chloroplaste et les mitochondries sont actifs, mais la nuit, n'ayant pas d'énergie lumineuse, seule la respiration va fonctionner. Donc on a bien ici une activité qui dépend de l'environnement. De plus, les deux métabolismes présentent des transformations interconnectées, car les produits de la photosynthèse servent à la respiration. On peut se demander si la photosynthèse correspond au final à une seule réaction, celle que l'on présente tout le temps, à savoir du dioxyde de carbone avec de l'eau. Grâce à l'énergie du soleil, ça va produire du glucose et du dioxygène. Si tel est le cas, alors l'absence de dioxyde de carbone devrait provoquer une absence de production de dioxygène. Ainsi, si nous réalisons de nouveau cette expérience, en enlevant cette fois le dioxyde de carbone de la solution de culture des chlorelles. Quand nous allons enregistrer l'évolution de la concentration en dioxygène au cours du temps,
en absence de CO2 dans ce milieu de culture, en théorie, en absence de dioxyde de carbone, il ne devrait pas y avoir production de O2 et la cellule ne pouvant pratiquer la photosynthèse ne pratiquera que la respiration. Donc on devrait en théorie enregistrer une diminution constante de la quantité de dioxygène dans le milieu. Or voilà ce que nous observons en réalité. Alors qu'est-ce que cela signifie? À l'obscurité, nous avons une diminution de la quantité de dioxygène et donc nous avons forcément une respiration. Alors que se passe-t-il ici? Nous avons un palier. Ce qui veut dire que la quantité de dioxygène cesse de diminuer et qu'au contraire, il y a du dioxygène qui est produit puisque finalement, on a une augmentation du taux de dioxygène par rapport à l'évolution prévisible. Or, on a dit, s'il n'y a pas de CO2 dans le milieu, il ne devrait pas y avoir de dioxygène. Or, ici, on a une production de dioxygène. Cela signifie donc que le dioxygène ne provient pas du CO2. Si nous n'avons pas de CO2, la seule molécule qui contient du dioxygène pour produire O2, c'est l'eau. Nous avons donc ici une photosynthèse qui se réalise en deux temps. Une molécule d'eau qui est cassée par la lumière, ça va libérer donc de l'oxygène, des protons, des électrons, et dans un deuxième temps, du dioxyde de carbone qui est transformé en glucose. Et comme ces deux réactions n'ont pas lieu au même endroit, des molécules intermédiaires vont se charger de transporter les hydrogènes et les électrons nécessaires à cette dernière transformation. En effet, la lyse de l'eau par la lumière, qu'on appelle la photolyse, va se faire au niveau de la membrane des sacs contenus dans le chloroplaste, alors que l'association du CO2 en glucose va se faire dans la matrice des chloroplastes. Enfin, si la lumière est à l'origine de la séparation des constituants de la molécule d'eau, il va nous falloir quelque chose pour accrocher les CO2 ensemble et former du glucose. Et c'est un ensemble d'enzymes, c'est-à-dire de molécules capables de catalyser des réactions, qui vont transformer le CO2 en glucose en le faisant passer par un cycle de réaction. Nous avons donc ici ce qu'on appelle une voie métabolique, c'est-à-dire une succession de transformations chimiques qui transforment une molécule en une autre. Les enzymes vont donc transformer ce qu'on appelle un substrat en un produit. La respiration, deuxième grande voie énergétique, présente également une succession de réactions qui se déroulent aussi dans des compartiments différents de la cellule. Le glucose n'est pas directement coupé en CO2 et en H2O. Il va tout d'abord subir une transformation chimique qui s'appelle la glycolyse. Il va être transformé en une molécule appelée le pyruvate. Et c'est ce pyruvate qui va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie, qui va être pris en charge par une série de réactions catalysées elles aussi par des enzymes et qui vont donc être à l'origine de la fracturation de ces molécules carbonées en dioxyde de carbone et en eau. Et pour cela, bien sûr, il y a besoin de dioxygène. L'ensemble de ces réactions nécessite également des molécules intermédiaires qui vont récupérer les électrons et les hydrogènes à l'origine de la production de molécules énergétiques dans une chaîne de transporteurs d'électrons située dans la membrane interne des mitochondries. Cette énergie va permettre à la cellule de fonctionner et de produire sa matière. On peut donc considérer que la mitochondrie est un peu la centrale énergétique des cellules car elle est à l'origine de l'énergie qui sera utilisable par la cellule pour produire sa matière. Maintenant, l'énergie provient de matières organiques déjà fabriquées pour les cellules hétérotrophes et provient de matières organiques produites par la cellule elle-même grâce à l'énergie lumineuse dans les cellules autotrophes. Par ces deux exemples de voies métaboliques liées à l'énergie, vous aurez compris que le métabolisme d'une cellule dépend de son équipement en organite, des enzymes qu'elle possède et qu'ainsi le métabolisme des cellules conditionnera les échanges avec les cellules voisines et le milieu extérieur. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces métabolismes-là qui existent et pas que ces enzymes-là. On peut citer par exemple les enzymes digestives qui sont produites par les cellules des différentes parties de l'appareil digestif. Ce sont des enzymes qui découpent des molécules en molécules plus petites, comme ici le glycogène que l'on trouve dans les cellules musculaires et le foie, qui est un sucre complexe de réserve car constitué de multitudes de molécules de glucose accrochées ensemble par des enzymes. Donc en résumé, on a dit que les cellules chlorophylliennes pratiquaient à la fois la photosynthèse et la respiration, que les cellules végétales non chlorophylliennes pratiquaient elles aussi la respiration mais pas de photosynthèse, que les cellules animales pratiquent elles aussi la respiration et que la circulation de matière au sein du réseau trophique permet donc un couplage des métabolismes à l'échelle de l'écosystème.